pratique, tellement logique, méthodique, femme de tête. Par quoi 5 ans avec les gens, faut pardonner, c'est pas méchant, car tu es tendre. Femme engagée, femme héroïque, tu fonces toujours, t'es authentique. Tu es sensible, ça c'est vrai, un peu coquette et puis après. Idéaliste et magnifique, même impulsif, tu es exquise, Denise. Ben oui, pochère, c'est une petite souris qui s'est faufilée dans la cuisine et je l'ai baptisée Fanny. Federico et moi, on l'a apprivoisée. Quoi? Pour ça que vous n'avez pas vu ce matin. Non, elle a dû prendre le bord de la salle à manger. La vilaine, hein? Le bord de mon bureau, mais du chasse-cala, il se prenait dans la salle à manger, il n'y a pas loin. Ça serait marrant. Je vous en prie, ça serait marrant, et quoi encore? Vous vous rendez compte de la publicité pour le restaurant? Il fallait que les souris se promènent entre les jambes des clients. Voyons, madame, ce ne sont pas des souris, une souris. De toute façon, vous pouvez rien y faire, il y en a dans tous les restaurants, alors. C'est pas une raison. Il n'y en aura pas dans le mien. Madame Dussault, avec tout le respect que je vous dois, hein? Une petite bête, ne mangez pas. Une grosse bête, c'est tout ça par cœur, Federico. Vous prenez le balai, puis chassez la de mon bureau. Mais le balai? Mais jamais je ne pourrai, ça me fend le cœur. Il m'y au cuore de cette petite créature sans défense, un grand coup de balai. Je vous demande pas de la chasser à grand coup de balai. Je vous demande simplement de la balayer tout doucement jusqu'à ce qu'elle sorte dehors. Vous dites qu'elle est apprivoisée, prenez-la par la queue, laissez-la tomber sur le trottoir, hein? Elle va retomber sur ses 4 petites pattes, puis elle ira faire la queue au restaurant chinois du coin, mais pas ici. Et pas des farces sont rendues qu'elle apprivoise des souris. Non! Lancez-la pas trop fort, par exemple. Non! Longtemps que ça dure votre romance avec Fanny? Quelques semaines. Oh, Seigneur, c'est ce que vous avez à faire en cuisine? Puis, Federico, la voyez-vous? Dessert, madame Denise, dessert! Puis! Ça y est! Je l'ai attrapé! Je la tiens par la queue! Vous voulez la voir? Mais pourquoi vous jamais la main? J'ai peur de ça pour mourir! Tu t'es là-dedans! Ne craignez pas! J'ai la tête dehors! Addio, caro mio! Addio! Elle prend le sommet du restaurant chinois, hein? Et sortez! Qu'elle ne viendra pas sur ses petits pas! Mais non, puisqu'il vous le dit! Ça veut vous dire qu'elle est apprivoisée? Mais comment a-t-elle pu faire pour en venir ici, un restaurant si propre? Ben oui, mais des fois, la porte est ouverte. Alors, il suffit que Federico soit à la cave et que moi, j'ai affaire au bureau pour qu'elle trouve le chemin libre. Quand le sang n'est pas là, ma, les souris d'un. Mademoiselle, y aurait-il moyen d'être servi? Ça fait 1 heure qu'on attend. Excusez-moi, c'est que tout le monde est arrivé en même temps. Bon, qu'est-ce que vous prenez comme apéritif? Pas pour moi. Moi non plus. Et comme entrée, qu'est-ce que vous... Jean-Paul! Faites attention. Et comment entrée, qu'est-ce que vous avez choisi? Rien pour moi. Rien. Moi non plus. Bon. Alors, comme plat principal, qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que tu prends, toi? Je ne sais pas. Toi, Chinette? Je vais y passer, là. Toi, Robert? Je ne sais pas trop, ça. Bon, écoutez, je reviendrai quand vous serez décidé. Ah, non. Bon, je vais prendre un steak au poivre. Bon? Est-ce bon, votre steak au poivre? Délicieux, monsieur. C'est une spécialité de la maison. Bon, OK. Je pense que je vais prendre un steak au poivre. Un poivre. Et comment aimez-vous? Avec du poivre dessus. Non, je veux dire saignant, médium, bien cuit. Bien cuit. Oh, moi, je vais prendre des scampis. Sont-ils bons, vos scampis? Très, très bons. Surtout avec un beurre à l'ail. Malade. Je dormirai pas de la nuit. Ah, ben écoutez, je vais vous les faire bouillir à ce moment-là avec un petit jus de citron. Oui. Ça n'a pas beaucoup de goût, hein? Bon, écoutez, je vais demander au chef qu'il les fasse griller avec un petit beurre fondu. Je vais sauter dessus, c'est bon. Un délice. OK, avec un petit beurre fondu. Un petit beurre fondu. Ah. Oh, puis non, je vais aller prendre mon aile.
Je vais prendre à l'âge. Ah, oh, puis moi, ben, je vais essayer votre steak tartare. Bon, parfait. Monsieur, comment l'aimez-vous? Bien relevé? Bien ou... cuit. Pardon? Bien cuit? Attendez. Je ne sais quoi. Vous ne le recommandez pas? Non, c'est pas ça, c'est que le tartare... Est-ce que je pourrais changer? Oui. Savez-vous, je vais prendre des rognons. On va disposer le second fois le tartare. Parfait. Bon. Avez-vous la carte des vins? Vous l'avez à l'intérieur du menu ici, monsieur. Apportez-moi donc un carafon avec deux verres. Et moi, un verre d'eau. Moi, rien. Très bien, hein? Prenez rien. Bon. Un carafon pour deux, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé, non, toi? Ben, voyons. Un Singapore Sling, puis un Pink Lady. Chaque ça, c'est très compliqué, là. Ça finit plus. C'est les Québécois qui ont commandé ça. C'est tes amis, les coiffeurs du salon à côté. Christian et Philippe. Hey, t'es doucement dans mesure, hein? Quand c'est pour tes amis, ça met toujours de trop. J'ai pas peur, je n'arrive jamais en dessous dans mes inventaires, hein? Ah, t'arrives pas en dessous? Il y a une seule raison, c'est que quand c'est des clients que tu connais pas, tu leur donnes même pas la mesure réglementaire. Attention. C'est que mes clients, les coiffeurs, c'est des bons clients. Il faut les soigner. Peut-être, mais pas au détriment des autres. Toi, la vieille fille, commence pas. Hein? Tiens, c'est la compagnie. Salut, la compagnie. Bonsoir, je vous présente mon comptable, M. Bonsoir. Valant. Bonsoir, monsieur. Fais-moi donc comme d'habitude, Jean-Paul. Très bien. Et pour vous, monsieur? La même chose que M. Tony. Même chose. Avec un peu de citron? Avec un peu de citron. Ouais. Jean-Paul, juste un pouce. Juste un pouce. Ah. Hein? Jean-Paul. Jean-Paul, merci. Merci. Il est bien correct, Jean-Paul. Il nous sert toujours des bons drinks. On est des bons clients aussi. On vient à peu près tous les jours. Mais justement, parlant de clients, veux-tu bien me dire ce qui t'a pris de coiffer Mme Gravel avec deux bandeaux de chaque bord des oreilles? Toi. Déjà qu'elle a la face à un âne de couteau, elle avait l'air d'un épagnol quand elle est sortie du champ. C'est encore pire quand elle est rentrée. Elle ressemblait à une annonce de shampoing pour les peaux d'huile, toute frisottée comme sa fille. Franchement, une femme de cet âge-là. Puis, ça l'aime ça de même, elle. Faudrait que t'apprennes une chose. Mon petit garçon, dans le commerce, là, pour réussir, faut que tu donnes aux clients ce qu'elles veulent. La plupart du temps, ne savent même pas elles-mêmes ce qu'elles veulent. Ça, ça n'a pas d'importance. Si tu veux passer de laveur de tête à troisième coiffeur au salon, il va falloir que tu apprennes à faire des concessions. La création, qu'est-ce que t'en fais, hein? Je suis un artiste, moi. Puis moi, qu'est-ce que tu penses que je suis? La chenotte? Imagine-tu que j'aime ça faire du blower à journée longue? Ça te pogne dans l'avant-bras, c'est bien simple. Que j'aurais moyen, je m'engagerais quelqu'un rien que pour blower. Puis moi, là, je m'occuperais seulement des coupes de cheveux, comme les grands coiffeurs en Europe, en Italie, puis tout. Mais qu'est-ce que tu veux, souffrance? Quand t'es né pour un petit pain, tu fermes ta boîte puis tu bloues. C'est bien simple, rien que tu penses. Je sens que je déprime la bouteille. Prends un bon coup, ça va te remonter. Ah ben, t'as raison. Jean-Paul. Jean-Paul! Un autre Singapore Sling. Un double. J'annonce une cuisse de rognon escamier régulier pour l'entrée. Vous pouvez enlever. Ah oui, chef, voulez-vous préparer un gâteau de fête pour la neuf, s'il vous plaît? Madame Dussault, je vous ai déjà dit que les gâteaux de fête se commandent d'avance, pas à la minute. Mais où voulez-vous que je prenne le temps de faire un gâteau maintenant? Non, mais sans blague, pourquoi pas une pièce montée, tant qu'à y être. Vous avez raison, je m'excuse, mais c'est encore une chose qu'il faut que j'apprenne, j'y pense jamais. Les clients sont pas mieux aussi, ils oublient de téléphoner pour commander d'avance. J'annonce un poireau aux vinaigrette, un avocat de nature et crabe du côté, trois steaks. Bien cuit, médium saignant, saignant presque bleu, juste tourné dans la poêle. Trois salades d'herbe, avec ail, sans ail, pas beaucoup d'ail. Du gâteau de fête, tiens. Prenez-moi donc trois restants du pudding de ce midi. Hein. Mettez un char de crème fouettée dessus avec trois cerises, puis un paquet de chandelles. Vous savez, on a l'air d'un gâteau d'anniversaire. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je peux pas désappointer ces gens-là, puis je suis trop gêné pour dire que le chef veut pas le faire. Allez, mais il reste un peu de candelles. Votre fille Michel m'a oublié d'en acheter. Oui, hein? Seigneur. Thérèse, allez donc arracher les trois ou quatre chandelles du gâteau de fête de la carte. Les ai déjà arrachées et les jetées. Je vous ai déjà dit de pas jeter les chandelles. Ça peut servir au moins deux, trois fois. Mais Thérèse, c'est pas par économie. C'est parce qu'on oublie toujours d'en acheter. C'est une maison de fous, ici. Je pense que Jean-Paul, il en a au bar, hein? J'espère. Il n'y a pas pire, celle-là. Mais connais-tu celle-là, Jean-Paul? Laquelle? La différence entre un cheval et un bureau. Ah oh, ouais, bonne, celle-là. Elle est très bonne. Entre un cheval et un bureau. Non, je ne la connais pas. As-tu déjà vu un cheval avec un tiroir sur le côté? Arrête de rire, il m'en sent pas plus que le client. Bonjour, M. Tony.
bonjour, ma belle dame. Je vais chercher mes cigarettes. Vous avez rencontré mon comptable, monsieur Roland Lagasse. Bonsoir, monsieur. Dis-moi, Jean-Paul, aurais-tu des bougies parce que j'ai un gâteau d'anniversaire? Mais quand vous m'aviez juré que vous l'aviez jeté dehors, vous m'avez même dit qu'elle avait pris le bord du restaurant chinois. Martine, je comprends pas. Pourtant, j'étais sûr que la Fanny, elle avait pris la direction du restaurant chinois. Pour moi, mais ce n'est pas Fanny que vous avez vous, hein? Quoi? Ça veut dire qu'il y aurait d'autres souris qui se promènent dans le restaurant? Mais non, arrêtez de vous en faire. C'est sûrement Fanny que vous avez vue, mais elle a dû revenir, et c'est tout. Probablement, c'est qu'elle n'aime pas la cuisine chinoise. Federico, c'est pas le moment, hein? C'est ça, ma scène, chère, s'il vous plaît. Federico les prépare. Venez quoi? Comment ça va en salle, Thérèse? Ça va. Monsieur Roland, il n'est pas trouvé que ça. Mais non, qu'est-ce que vous voulez? Il a compris que c'est l'accident. Son médecin d'adresse est en haut, qu'est-ce que vous voulez? J'ai perdu l'équilibre. Ah, c'est drôle. C'est la façon dont vous avez crié, là. J'étais sûre que vous aviez eu peur de quelque chose. Ben voyons donc. C'est bien pas. Hé, hey, madame Dussault, vous voulez pas lui dire au sujet de Fanny? Jamais, dans 100 ans. Pourquoi? Moins on sera de personne à savoir qu'une souris qui se promène dans le restaurant, mieux ce sera. Mais vous vous rendez compte, chef du scandale, s'il fallait que ça se sache? Ben oui, mais personne ne la verra. Elle est sûrement cachée dans un petit coin. Hein? Pourvu qu'elle y reste. Hey, Federico, je crois qu'on aurait dû la chasser pour vrai, la Fanny. Elle va nous attirer des ennuis. Non, je ne vois pas. Qu'est-ce qui ne marche pas, donc? T'es là, les yeux qui te fixent. On dirait qu'il y a quelque chose qui te fracasse. Non. Jean-Paul, veux-tu m'enquêter ça, s'il te plaît? Jean-Paul, veux-tu m'enquêter? Seigneur, j'ai trop de faire. Dans l'une, ça prend un Fanny. Non, pas Fanny, souris, c'est une souris. Ah, je le sais, mais ça s'appelle Fanny. Ah, parce que tu sais son nom, en plus. Expliquez. Est-ce qu'il est rendu? Elle est rendue en dessous de la table de Christian. Ça sert à rien, plus je bois, plus je te fais. Si Christian la voit, toute la ville va le savoir. Elle est rendue en dessous de la vitre, maintenant. Allez donc l'emporter derrière. Allez l'emporter derrière. Voyons, c'est ma chère. Elle est rendue en dessous de la table des quatre quatrièmes. Madame? Voulez-vous venir ici, s'il vous plaît? Moi? C'est vraiment pas moi, il a dit madame. J'ai peur d'y aller, vas-y. Ah ben non, moi j'ai honte. Vas-y, non, je meurs de honte. Excusez-moi, là, j'aurais un petit secret à confier à madame. Vous permettez, madame? Ah oui. Je vais vous dire. Je le sais, mais c'est des choses qui arrivent dans tous les restaurants. C'est pas de ma faute. Federico l'a prévoyé. Elle était rendue au restaurant chinois. Que j'ai pas quoi? Le gâteau de fer, c'est un blanc que je vous ai demandé tout à l'heure. Monsieur, je m'excuse, je l'ai, je vous l'apporte tout de suite. Ça Hey, je te dis, Jean-Paul, ta patronne, c'est une vite. On dirait toujours qu'elle a peur de perdre une vente. Oh, ça me fait penser, Jean-Paul. Mm-hmm. Imagine-toi qu'un jour, il y a une waitress dans un restaurant. Oui. Il y a un client qui entre dans le restaurant et lui demande un verre d'eau. Oui. La waitresse prend son gant, elle dit « Oh, les mains! » Le client lui dit merci, puis il s'en va. Oh, bonne celle-là, M. Tony. Ouais, laisse-moi réfléchir, là. Le client qui demande à une waitresse... Disons, Jean-Paul, que c'est un barman. Oui. Là, le client demande au barman un verre d'eau. Mm-hmm. Le barman prend son gant, puis il dit « Oh, les mains! » Le client lui dit merci, puis il s'en va. Hey, moi, je la sais, bien bonne. Vous avez une question de jeu de mots là-dedans. « Oh, les mains! » Verre d'eau... Non. Il n'y a pas de jeu de mots. Non. Pensez-y comme il faut, Jean-Paul. C'est ça, pensez-y. Oui, Parce que dans le fond, c'est simple. Dans le fond, c'est bien simple. Arrêtez. C'est vrai, même M. Tony l'a trouvé vite, par exemple. Ben, écoute, Jean-Paul, le temps que tu vas trouver celle-là, là, je t'en pose un autre. Oui. Mais tu entre le sucre et puis les femmes. Entre le sucre et puis les femmes. Oh, elle est bonne, celle-là. Très bonne. Je ne sais pas. Il n'y en a pas. On doit deux raffiner. Hein? Hey, ça, c'est une sucrée. Qu'est-ce qui est blanc et noir? Il y a 8 roues en dessous. Blanc et noir, puis il y a 8 roues en dessous. Non, je vois pas, je sais pas. Une religieuse en patin roulet? Vous êtes fait prendre, hein? Moi, j'en ai une. On laisse ton père, Roland. Il y a 3 oiseaux sur une branche. Il y en a 2 qui décident de partir. Combien est-ce qu'il en reste? 3 moins 2. Ben, il en reste un. Non, il en reste 3. Ben, voyons, il en reste un. Il en reste 3. Comment ça? Ils ont juste décidé de partir. Ils sont pas contents. Ah, je
venir, donc, chère demoiselle, c'est à votre tour de me laisser. Ah oui, l'amour, chère demoiselle, c'est à votre tour de me laisser parler d'amour. Ah oui, mademoiselle, c'est tout ce qu'il y a de plus maison. Ouais. Ouais, je vais pas ça qu'on peut avoir un doggy bag? Oui, oui, bien sûr. Thérèse, ouais. Voulez-vous me faire couper 4 portions, puis le reste, ouais. Vous le mettrez dans un sac à chien. Est-ce que je pourrais me poser une question? Oui. Je veux juste savoir si vous êtes plus vite que Jean-Paul. Ah ben. Imaginez que c'est une maîtresse qui travaille dans un restaurant. Ouais. Il y a un client qui entre dans le restaurant et lui demande un verre d'eau. La maîtresse prend son gun, elle dit « Oh les mains! » Le client lui dit merci. Oui, ça va. Et franchement, elle est difficile à comprendre, mais elle est bonne. Attendez, là, laissez-moi y penser. Excusez-moi. C'est sûrement pas l'habitude de la maison hein, de repasser les chemises à chaque fois qu'il arrive un accident. Ah, mais non, certain. Parce que vous êtes un bon ami de M. Tony, qui est lui-même un bon ami de la patronne, qui m'a demandé de monter réparer des gars. Oh, puis franchement, deux fois en plus qu'on a tout échappé sur vous. Vous êtes vraiment pas chanceux. Vous comprenez, la peur, ça se contrôle pas, hein? Même si c'est rien que d'une souris. Madame Dussault devrait appeler la ville, par exemple, se débarrasser de ça. Est-ce que vous en avez beaucoup? Non, c'est la première fois que j'en vois. J'ai assez peur de redescendre travailler. Dites-vous qu'elle a peut-être plus peur que vous. Elle est peut-être cachée dans un coin, là, vous ne la reverrez pas de sitôt. Ça fait rien. Je vais dire à Mme Dussault de téléphoner au service de santé demain matin. Même si c'est rien que pour une souris. Le temps qu'ils vont prendre pour venir nous en débarrasser. Alors, il y a la chance de faire les petits. Ça m'aurait pu. Merci beaucoup. T'en prie. J'ai jamais eu une chemise aussi bien passée. Franchement, vous êtes bonne à marier. Vous aussi. Vous associez femme mariée puis fer à repasser. Ah, je vais vous dire exactement. Non, vous n'avez pas besoin de vous sentir mal à l'aise, mon cher monsieur. C'est pas de votre faute si vous pensez comme ça. Vous comprenez, ma mère me disait tout le temps... Ah, je le sais, ce qu'elle vous disait. La mienne me disait la même chose. Tu veux être une bonne épouse, apprends à repasser les chemises. Correctement. Avec pendant des années, je me suis pratiquée sur celle de mes frères. Vous croyez que je n'avais pas la main, hein? Puisque je suis restée vieille fille. Pourtant, mes amis se sont toutes mariées, mais ça n'avait même pas repassé un mouchoir de poche. Faut dire que moi, c'est plus naïve. Attendez, le prince charmant qui m'amènerait sur son beau grand cheval blanc. Ça aussi, c'était des histoires à ma mère. Parce que quand je l'ai rencontré, puis qu'il a fallu prendre des responsabilités, je me suis rendu compte que c'était bien plus moi que lui, le prince charmant. Le cheval blanc, puis la bride avec! Allez, go. On va revenir aux chemises. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont bien plus de choses que nous autres, hein? Avec la mode du wash and wear, elle trouve toute à se barber. Ah, celui-là que je parle, que je parle. Puis je vous donne pas votre veston. Puis le temps qu'il est dans le séchoir, il doit être sec. Prenez votre temps, hein. Je suis pas pressé. Répondez donc. Ça doit être Mme Dussault. Allô? Oui. Tout de suite. C'est Jean-Paul. Il dit que tout le monde est parti, là, que vous pouvez descendre manger. Mais, qu'est-ce que vous avez? C'est pas de ma faute, hein, je vous le jure. Vous m'aviez pourtant dit que c'était du... Wash and wear. Alors, oui. Le client lui demande un verre d'eau. Ouais. Le barman sort un gun, lui dit « Oh les mains ». Le client lui dit « Merci », puis il s'en va. D'après vous, qu'est-ce qui est arrivé? Oh ben, laissez-moi réfléchir un peu. Le client, il rentre. Eh ben, moi, je crois que le client, c'est la main de la femme du barman. Puis c'est pour ça qu'il le tire. Ben non. Ah non, il n'a pas de bon sens. Mais non, Federico, il ne le tire pas, lui dit aux les mains. Ben, le client lui dit merci, puis il s'en va. Mais vous, est-ce que vous l'avez trouvé? Mais non. Ah. C'est vrai qu'avec cette histoire de souris, j'avais pas toute ma tête à moi ce soir. Pauvre Fanny. Je crois qu'elle a eu plus peur que Mademoiselle Thérèse.
Maintenant, il a dû aller se casser quelque part. On la trouvera plus jamais. C'est pas ça, des cabres à vie. Non, comment c'est pas ça, Federico, pauvre Fanny, Carmilla Fanny. Si ça avait fallu que les clients la voient, j'aurais eu assez honte. Oh. Puis, chef, à vous trouver la solution de l'histoire de M. Tony. Attendez, je crois que oui. Mais oui, au fond, c'est simple. Le client rentre dans un bar, n'est-ce pas? Il demande un verre d'eau. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a le hoquet. Eh oui, alors, le barman, il sort son revolver pour lui faire peur et il dit, oh les mains, ça réussit, hein. Le hoquet du client, il disparaît, il dit merci monsieur et il s'en va. Ouais, oh, il s'agissait d'y penser, quoi. C'est français là, ben, ça pense quelquefois. Ah, mais gars, franchement, relâche, pas d'argent, les trucs. Oui. On n'a pas de ma faute, hein? Oh, je suis désolée ce qui est arrivé, M. Lagacé. C'est pas plus grave que ça, madame. Ah, faites-vous en pas, ma petite dame. Il est capable de s'en payer un autre. Évitez une menace. D'abord, ça, ces comptables-là, là, sont pleins de gamins. Il va sûrement poncer ça sur ses impôts. Monsieur Tony! Ou probablement mettre ça sur la facture d'un de ses bons clients. Écoutez, M. Tony, j'ai pensé à votre devinette, puis je pense que j'ai trouvé la solution. Ben, dites toujours. Ben, écoutez, si le client demande un verre d'eau barman et que celui-ci sort un gun, est-ce que ce serait pas pour lui faire peur? Vous commencez à m'intéresser, vous. Bon. S'il veut lui faire peur, c'est pas parce qu'il voudrait lui faire passer son hockey? Ah! Ah, ben voyons, Jean-Paul, c'est l'enfance de l'art. C'est très simple, au fond. Il s'agissait d'y penser. C'est prêt, hein? Oui, oui, j'arrive. Vous voulez manger une petite bûche avec nous? Non, merci, on va finir nos verres. D'accord. Ah, bon? Bon appétit, tout le monde. Merci. Grazie, signor Tonino. Oubliez pas d'en garder pour la petite souris. Merci. C'est Yadier. Il vaut fou, il s'en est aperçu. Vous renversez les plats puis le gâteau sur votre table. Vous grimpez comme deux vrais folles sur le bar en criant. Il a déjà eu un restaurant. Il sait comment ça se passe. Oh, Federico, je vous en prie, arrêtez de taper, ça me fait énorme. Tout ça, je le ferai pas. Federico, devriez-vous préparer un autre gâteau de fête à neuf, là? Ben, ça pouvait pas. Il reste plus de pudding de ce midi, alors. De toute façon, c'était pas les bons clients. Un carafon pour deux et un verre d'eau, franchement. Mmh. Qu'est-ce que tu veux, Jean-Paul? Ça peut pas tout être les bons clients comme M. Tony, hein? Ça, tu peux te dire. Lui, il sait sortir. Hey, il a dû avoir des choses dans sa vie, lui, hein? Mais il a déjà vu neiger. Okay. Évidemment, on voit que c'est pas un caïd, hein? Un quoi? Qu'est-ce que tu dis, un caïd? Oui, un mec. Mec, oui. Ah! Ici, Radio-Canada.